Permettez que j'exprime tout au début de mes propos le plaisir d'intervenir à la cérémonie d'installation de cette nouvelle judicature du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je tiens à affirmer l'intérêt que nous portons à cet exercice qui revêt une importance particulière aussi bien pour le Conseil présidentiel et le gouvernement de transition que pour la nation entière dans son cheminement déterminé et résolu sur la voie de la démocratie et de l'état de droit. Si l'événement de ce matin induit une dynamique d'institutionnalisation de la démocratie et de consolidation de l'état de droit en Haïti, il n'en demeure pas moins qu'il est pour moi un instant de fierté et d'honneur, ce à un double point de vue. D'abord, en qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et d'ancien président de la Fédération des barreaux d'Haïti, j'ai longuement et inlassablement milité pour la matérialisation de l'indépendance de la justice de mon pays. À côté du conseiller sortant, l'honorable Durin Duret Junior, j'ai mené le combat et emporté le gouvernement d'alors à prendre l'arrêté de nomination. Le communiqué conjoint ANAMA-FBH a été déterminant pour l'investiture du premier conseil le 3 juillet 2012. Ce fut un tandem extraordinaire. Nous avons su mener le bon combat. Ensuite, et pas des moindres, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, il m'incombe la lourde et historique responsabilité de conduire la politique pénale du gouvernement de la République en cette période si troublante et si éprouvante de notre vie de peuple. Cette installation intervient à un moment où le gouvernement de transition, à travers le ministère de la Justice, travaille sans relâche et en dépit des énormes difficultés de l'heure à renforcer et à approfondir les institutions judiciaires du pays à différents niveaux, de manière à rendre la justice plus forte, plus juste et plus efficace. Le but ultime visé étant la création des conditions nécessaires à l'amélioration continue et durable de l'accès à la justice pour tous, conformément aux prescrits de la Constitution en vigueur, de la loi du 27 novembre 2007 et conformément aux engagements internationaux auxquels la République d'Haïti a souscrit. C'est dans la perspective du renforcement de la justice que, le 17 juillet 2024, le Conseil présidentiel et le gouvernement de transition ont pris un arrêté en Conseil des ministres instituant la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Outre l'évaluation et la reformulation des textes du décret portant code pénal et de celui portant code de procédure pénale, cette commission aura à soumettre au ministère de la Justice des projets de décret sur l'organisation globale du système judiciaire en général et en particulier sur l'organisation des parquets, l'organisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation et sur la réorganisation et la modernisation des greffes, des cours et des tribunaux. Dans ce même ordre d'idées et dans le souci d'apporter des solutions définitives aux problèmes rencontrés par certaines institutions judiciaires pour garantir la continuité nécessaire du service public de la justice à cause de la violence des gangs armés, le gouvernement a entrepris et entreprend encore un certain nombre de démarches visant à mettre à la disposition des cours et tribunaux, notamment ceux de la capitale, des espaces d'hébergement appropriés. C'est ainsi que le 7 août 2024, un arrêté a été pris déclarant d'utilité publique certaines propriétés, fonds et bâtisses situées dans l'aire du Champ de Mars, l'hôtel Le Plaza, se trouvant dans l'îlot, abritera prochainement
le palais de justice, d'où seront logés le tribunal de première instance de Port-au-Prince et son parquet, la cour d'appel et le parquet de ressort, la commission de réforme pénale, le CINAL. D'autres dispositions d'envergure vont dans le même sens, telles que les nombreuses démarches du ministère de la Justice ayant heureusement abouti à la suspension des mouvements de grève à répétition des acteurs du système judiciaire ayant occasionné la paralysie quasi totale des activités du secteur pendant une période assez longue. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu, conformément aux prescrits de la loi du 13 novembre 2007, organisant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour recevoir la prestation de serment des nouveaux membres du dit Conseil, nommés par arrêté du président du Conseil présidentiel de transition, sur présentation par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la liste établie conformément aux articles 4 et 5 de la dite loi. En deux ans, soit de novembre 2022 à septembre 2024, 5 opérations de certification de magistrats ont été réalisées. Un guide de déontologie du magistrat a été publié. 2 bureaux régionaux de la direction d'inspection judiciaire ont été implantés. L'un au Cap-Haïtien le 23 juillet 2024 et l'autre au CAI le 6 août 2024. Des travaux de réhabilitation de plusieurs tribunaux, tels ceux des TPI de Jacmel et de Hinche, des TPX de Marigot, de Camp-Louise, de Pétionville, etc., ont été exécutés. Je m'en voudrais de ne pas rappeler aux honorables conseillers qu'à compter de ce jour, conformément à la loi et le règlement intérieur régissant le pouvoir judiciaire, ils ont pour attribution, ou si vous voulez, pour obligation d'administrer le pouvoir judiciaire et veiller à son indépendance, d'examiner les questions concernant l'évaluation, le renouvellement du mandat, la nomination, le cheminement de carrière, la mutation, la promotion, la mise à la retraite et les doléances des juges. Ils ont pour obligation d'établir les règles relatives à la déontologie et veiller à leur application. Collègues, vous avez pour mission de veiller à l'application de la loi portant statut de la magistrature. Vous avez pour mission de statuer sur les plaintes contre les juges dans les formes prévues par la loi. Vous avez pour mission d'approuver le plan de développement des ressources humaines proposé par le secrétaire technique et veiller à sa mise en œuvre. Vous avez pour mission de publier un rapport annuel de ses activités et de l'état de la magistrature. Vous avez pour attribution de décider sur les congés d'études et de manière plus générale sur la formation continue des magistrats et du personnel des cours et des tribunaux. Vous avez pour mission d'approuver chaque année le projet de dotation budgétaire du Conseil présenté par la Direction des Affaires administratives et du budget à travers le secrétaire technique du Conseil. J'ai l'insigne honneur de procéder ce matin au nom du Conseil présidentiel de transition à l'installation de 8 des 9 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La cérémonie de ce jour entre dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de la tradition républicaine instaurée par la loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ. Outre le président de la Cour de cassation et le commissaire du gouvernement près la dite cour, dont l'appartenance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est un attribut de leurs fonctions respectives, les 7 autres membres du Conseil sont élus ou désignés pour une durée de 3 ans, une fois renouvelable, et nommés par arrêté présidentiel sur présentation par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la liste relative établie conformément à la loi. Pour cette 5e judiciature, une liste de 6 membres a été acheminée au Conseil présidentiel de transition. Dans le souci de respecter le délai prévu par arrêté en date du 30 septembre 2024,
le Conseil présidentiel de transition a procédé à la nomination des 6 personnalités de la dite liste, en attendant la désignation du membre restant par l'Assemblée des bâtonniers en exercice. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie d'installation traduit la ferme volonté du Conseil présidentiel de transition de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions, dont celle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Elle met en lumière la détermination de l'exécutif bicéphale de la transition à travailler à l'amélioration de l'efficacité de la justice et au renforcement des droits fondamentaux de la population, conformément aux stipulations de l'accord politique du 3 avril 2024. Chers concitoyens, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération appelé à consolider l'indépendance de la justice. Dès lors, il va sans dire que le Conseil a un rôle primordial à jouer dans le fonctionnement régulier des instances juridictionnelles, dans la lutte pour le respect scrupuleux de la déontologie des magistrats et dans la distribution d'une saine et équitable justice à la hauteur des attentes légitimes de la population haïtienne. L'accès à la justice constitue un droit fondamental et inaliénable qui ne saurait souffrir aucune forme de dérogation. Pour garantir ce droit, l'intégrité des magistrats ne doit pas être remise en cause. Et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, instance appelée à recevoir les plaintes des concitoyens qui estiment avoir été victimes d'injustice de la part de magistrats, ne doit en aucun cas être dysfonctionnel. Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans l'objectif de renforcer l'état de droit et de poser les jalons de l'autre pays prospère et solidaire auquel nous aspirons tous, le Conseil présidentiel de transition remet sous votre leadership l'administration du pouvoir judiciaire. Le Conseil présidentiel de transition compte sur votre honnêteté, sur votre sens aigu de la justice, sur vos compétences et expériences pour faire triompher le droit et répondre aux aspirations de la population en matière de distribution d'une justice saine, accessible à tous. Sachez que dans cette noble tâche, combien exigeante, vous ne serez jamais seul. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de la République seront toujours à l'écoute de vos besoins. Des ressources et moyens appropriés seront mis à disposition pour faciliter votre travail. En retour, ce que nous demandons au nom du peuple haïtien, c'est votre engagement total à éradiquer le fléau de l'impunité qui ronge notre cher pays depuis tant d'années. Votre détermination sans faille à lutter pour que, grâce à la justice, cette femme aux yeux bandés, le pays puisse emprunter définitivement la voie du développement, du progrès et du bien-être collectif. Je vous souhaite du courage et du succès dans votre travail pour le plus grand bien du peuple haïtien. Et demain sera un autre pays.